Et donc salut à tous, on reprend donc Narz Femis, donc on va faire le château de la bête. Voilà, on va commencer direct. Alors faut savoir qu'au niveau 1 en fait les trois premiers mondes vont être assez chauds parce qu'on est très limité au début au niveau compétences et magie. Mais où est-ce qu'on est? Je laisse la cinématique. C'est immense. Et un peu lugubre, vous ne trouvez pas? Je vais faire un truc. Voilà, j'ai réduit un peu le son du jeu parce que je crois qu'il était trop fort là. Hé, hey, ce rugissement, ça vous rappelle rien? Comme par hasard, il rugit à ce moment-là. Oui, la bête. On devrait aller voir ce qui se passe. Là-bas. Bon là ça va juste nous donner le titre donc je peux passer. Et le titre du monde donc je peux passer. Ah. Ah non je croyais que ça nous donnait juste le titre du monde mais en fait c'est ok. Allez on part ça vite fait. Si vous n'avez pas augmenté la fusion vaillance à ce stade-là, ce combat-là est excellent pour augmenter la fusion vaillance. Parce que vous avez eu tous les coups de kiblette que j'ai donné, quoi. Oh non, c'est pas vrai! Comme par hasard! Ouais, enfin, il y en avait plus de 5. Hein. Tu tombes bien. Oh. Aucun respect. Pourquoi sa rose était là, je me le demande. Ça alors, on dirait qu'il se souvient plus de nous. Il doit avoir des problèmes, vu le nombre de sans cœur. Donald le Grincheux. Alors. Est-ce que j'ai des nouveaux trucs que je peux fabriquer? Ok. D'accord, donc il peut vendre des éthers. Les menis, ça va être un gros problème dans le jeu, jusqu'à un certain stade, très avancé. Formule, j'ai rien, y a rien, je peux rien faire. Bon, je vais rusher. J'ai pas vu s'il y avait des coffres. Voilà, je verrai ça plus tard. Bon, les petits dialogues avec les bulles, comme ça, je vais les passer, c'est pas intéressant. Donc là, je vais rusher. On va ignorer ces monstres, de toute façon, je suis niveau 1, ça sert à rien de les attaquer. Mais que vais-je faire? Bon, allez. Oh, donnez. Quel abruti. Qui a ouvert la porte? Oh, je suis si contente de vous voir. Donald. Oh. Sora. Dingo. Bonjour. Repousse-moi. Pauvre Donald. Il n'y a aucun respect pour Donald. Bon, ça, j'ai passé. Voilà, la bête est pas contente. Elle a des problèmes. Formule de soin, cool. Bon, je vais continuer à rusher. Bon, ignorez-les, ceux-là, ça vaut mieux. Ah, il y avait un coffre. Oh, c'est pas grave. De son, je ne peux pas non plus faire tout le jeu à 100%.
toute façon, on revisitera les mondes beaucoup plus tard, donc j'aurai l'occasion d'ouvrir des coffres et de prendre des pièces de puzzle. C'est juste pour nous indiquer où on doit aller, ça. J'ai vu un coffre. La mitrille. Des joies synthèse, des potions plus, c'est cool. Tout ça, c'est des trucs pour la synthèse. Et déjà, comment le truc est apparu avant que j'ai ouvert le coffre? Ouais, bon, ça nous dit juste qu'il faut déplacer la le machin. Voilà. Et voilà, vous voyez qu'au passage, j'ai récupéré toute ma jauge de fusion parce que voilà. Bon, si je veux pas le temps, vous bourrez le triangle. Dès que vous voyez plus les aides, vous arrêtez de bourrer. Puis vous recommencez. Voilà. Au passage, vous remarquez que les poignées forment le symbole de Kingdom Hearts. Ouais, bref. Bref, frère. On peut passer, voilà, c'est tout ce qu'il y a, ça. Cette pièce de puzzle, je peux pas la récupérer, faudra attendre une prochaine fusion. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Ah, de force. Ok. Alors là, on va avoir un boss. Un boss qui est très chiant au niveau 1. Je risque honnêtement de mourir. Enfin, on va bien voir. Ça doit être là. Ok, alors ce boss au niveau 1 est très chaud. Ok. Je garantis pas que je vais y arriver du premier coup. Alors déjà, on va essayer de se débarrasser de cela. Nickel. Ouais, vous voyez les dégâts. Hein. Alors ça, frappez les chauves-souris une fois et vous pouvez faire la réaction tout de suite. Attaque à distance. Ah. Oh non. Ok, alors ça c'est chiant par contre. C'est arrivé au mauvais moment ça. Ah quoi que. Ah pour ce boss ça peut être bien en fait. Oh dommage. Ouais, ça c'est mauvais. Ah non, j'ai pas envie de d'utiliser Mickey. Bon, on va y arriver. Pire, je couperai au montage s'il y a trop d'essais. Bon, on va s'éloigner. Attends, difficile, c'est pas mal. Voilà. Là. J'ai pas compris. Là, le machin a disparu. Faut faire gaffe. Merde. Oh, c'est dégueulasse cette attaque. J'aime pas les gargouilles à la hache surtout.
c'est les pires. Celle à l'épée, ça va, mais celle-là... Oh putain, c'est vrai, ils sont immunisés à la magie. Voilà. Bien sûr, c'est que le début d'une série de longues morts. Ah, mais ce premier ce boss, il est vraiment chaud au niveau 1. Comme vous avez pu le voir. Si vous n'êtes pas prudent. Puis la fusion sans cœur qui peut tout gâcher. Comme d'hab. C'est la porte du cachot, voilà. Voilà, par contre, du coup, j'ai perdu ma fusion, c'est pas grave. Alors, on va ramasser tout ce qu'il y a là. Hop, pièce éveil. Ah, que des pièces éveil. J'en suis à où d'ailleurs au niveau du coffre des pièces éveil. Puzzle. Sample, éveil. Ah, ok, il m'en reste encore. C'est vrai, j'ai une nouvelle compétence. C'est laquelle déjà? Projet de mémoire. Ah, c'est pas mal ça. Ok. Bon. Suite à ce boss magnifique. Il n'y a personne ici. Quelqu'un a dit sauver. Hein? Chut. Pas un bruit. Ils sont peut-être méchants. Oh, ils ont l'air d'être de braves garçons. N'ayez pas peur, on est des gentils. Oui, Belle nous a envoyé vous libérer. Wow. Moi, c'est Sora. Et je pose pas de questions. Et Dingo. Rendez-vous, non. Mais en voilà des manières. Laissez-moi, je n'aime pas être... Tout le monde va bien? Très bien, maintenant que vous êtes là. Vous avez été victime d'un sort. Ça suffit. Arrêtez ça. Vous êtes au courant. L'enchantresse nous a transformés. Tout ça remonte à si longtemps. C'était une froide nuit d'hiver. Et bon, on connaît l'histoire de la Belle et la Bête. Une vieille mendiante est venue au manoir demandant un refuge pour la nuit. Mais le maître du château, je parle bien sûr du prince. Ça suffit, reposez-moi sur le champ. Merci. Ouais, bref, on connaît l'histoire. Le maître, la bête, la chassa, et l'enchantresse la transforma en la bête. Et il doit être aimé. Enfin, il doit aimer être aimé en retour. Ça fait deux bonus PC. Ah, mais je vous jure, on va avoir énormément de bonus PC dans ce jeu. C'est incroyable. Quasiment. Allez, je dirais facile. 30% des coffres contiennent des bonus PC. C'est incroyable. Hop, on va sauvegarder.
Donc, si vous connaissez le film de la Belle et la Bête, il n'y a vraiment pas besoin de regarder ces cinématiques. C'est un tunnel, c'est toujours ça. Maintenant, ça suit juste les scénarios des films Disney remodelés à la sauce à Kingdom Hearts. Ouais, bon, là, c'est juste pour dire, regarde, de nous laisser passer, voilà. C'est pas intéressant. Honnêtement, je passe les scènes parce que c'est pas intéressant. Bon, là, ça va être... je passe aussi. Là, ça va être... c'est juste pour vous expliquer, on a un mini-jeu de merde. Ok. Bon. Mini-jeu. Mini-jeu pas trop compliqué si les PNJ se coiffent et se cassent, se bloquent pas dans des endroits chiants. Ça m'est déjà arrivé de rater ce mini-jeu parce qu'ils se sont coincés dans des quais et dans un mur. Hein? Aussi parce qu'ils peuvent pas monter les escaliers aussi, ça c'est arrivé ça. Ok, magnifique bug. Ah, merde. Ce qui est chiant, c'est que ces abrutis, en plus, ils... Ok, bien. Il est ouf. Voilà. Je sais pas pourquoi on a besoin de d'elle pour le requinquer. Mais... Allez. C'est la catégorie mini-jeux débiles qui font chier. En plus, elle est lente. Miss Sabova, si je me souviens bien, ça. Je n'aime plus trop de La Belle et la Bête, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu ce film. Allez, madame, dépêchez-vous. Merci. Voilà. Franchement, c'était bien la peine de nous faire ce mini-jeu débile. Bon, voilà, on a réussi le mini-jeu, la porte secrète est ouverte, voilà, c'est merci. Est-ce que je peux récupérer celle-là? Ah oui, je peux largement la récupérer. Voilà. Donc, on va ouvrir les coffres, on va avancer. Je le dis honnêtement, pour moi la grande force de ce jeu c'est pas le scénario, pour moi c'est le gameplay la grande force de ce jeu. C'est principalement pour ça que j'aime ce jeu, honnêtement. Le scénario, le problème c'est que pendant au moins plus les trois quarts c'est que des scénarios de Disney que tu connais, quoi, c'est pas intéressant. Je pourrais ouvrir les coffres tranquillement. Encore un bonus PC, ça fait 3. Ah mais je vous dis, on va en avoir plein. J'ai une nouvelle compétence. Ah non, c'est Donald qui m'a une nouvelle. Donald Brasier, par souf. De toute façon, Donald, très vite, Donald, il va se retrouver à être le mec qui meurt tout le temps. On a juste du brasier. Attends, d'ailleurs, le brasier. Touche triangle, je préfère le mettre sur la touche carré. Le brasier sera bien avec les fusions. Tout seul, c'est pas comme ça. Voilà. Faites gaffe, quand même. Non, mais... Faire gaffe, quand même, avec les ennemis. Ah, voilà, quand je dis qu'il faut faire gaffe avec les ennemis. Bon. On aura des morts dans cet épisode. Maintenant, c'est le mec à l'épée qui s'est activé, bizarre. Ça peut nous laisser tranquille. Allez, lâchez-nous un peu la grappe. Punaise. Bien. L'heure est venue de s'occuper de Belle. Elle complote pour prendre tout ce que tu possèdes. D'abord ce château, puis ta précieuse rose. Pour finir, elle volera ta vie.
Ne te fie à personne. Nourris ta colère. Seule ta rage te maintiendra fort. Je me moque de la force. Je ne désire qu'une chose. Quoi donc ? Aimer et être aimé en retour ? Qui pourrait aimer une bête comme toi ? Tu vois, elle a des complices. Ils sont quand même cons s'ils peuvent créer des murs comme ça. Bonjour, ils pourraient nous coincer dans un mur et puis point barre. Enfin, faut pas chercher. C'est un jeu vidéo. Juste ciel, maître. Ok, donc un petit boss. C'est l'instant Big Ben. Oula. Oh, c'est vraiment que ça, hein, ce combat. C'est vous appuyez sur triangle dès que la bête se remet en main de berserk. Et vous la bourrez. J'ai pas compris là. Ça l'a touché, mais ça a pas enlevé son mode perso. Ah, sérieux ? Bloqué par le mur. Bon, sérieusement. Faut que j'arrête les conneries là. Oh, j'ai parlé là, attends. N'importe quoi. Alors ça, c'est un truc que j'aime pas dans le jeu, c'est quand tu fais continuer avant un boss, faut que tu reprennes tous les coffres de la zone avant le boss. Voilà, soigner juste avant. Bien. Voilà, c'est comme ça qu'on meurt aussi facilement que ça au niveau 1. Rien. Bénéfique pas. Oups. Il est où ? Big Ben, putain ! Ah, je te jure. Putain, mais ta gueule, Big Ben ! Allez. Voilà. Putain, j'en reviens pas que je suis une mort sur ce boss de merde. Big Ben, que s'est-il passé ? Ma foi, maître, voyez-vous, vous avez, comment dirais-je, Tout oublié, mais c'est toi-même qui les a shootés dans le donjon. J'ai fait ça ? Et ma foi, oui. Qui était l'homme à qui tu parlais ? Le type en noir ? Xaldin. Ah, c'est son nom. Il est venu des ténèbres. Il s'est servi de ma colère pour me contrôler. Il s'est emparé de mon chagrin, de ma tristesse et de ma peine. Il les a transformés en rage. Je n'ai pas pu résister. Je ne voyais plus la vérité. Oh, je comprends. C'est sûrement pour ça que t'as enfermé tous tes amis dans le cachot. Tu voulais être certain de ne pas leur faire de mal, c'est ça ? Était-ce pour cela ? Pour les protéger ? Bien sûr, nous savons que tu es quelqu'un de bon. Il a raison, maître. Nous connaissons tous votre gentillesse.
Belle voit la bonté dans votre cœur, mais j'ai peur que vous-même... Belle. Oh, je l'ai maltraitée. Je l'ai malmenée. J'ai été si égoïste. Elle nous a pas parlé de ça? Elle ne parlera jamais à personne de ma cruauté. Elle est trop bonne. Vous voyez, j'ai bien peur qu'il ne se juge avec trop de sévérité. Pourquoi ne pas aller lui parler? Mais... Pas d'histoire! Allez, en avant! Nous venons avec toi! Ok, donc on a la bête. Et donc avec la bête, on a notre première coopération, l'une bestiole. Et alors la première chose que vous voulez faire, hein, c'est désactiver cette merde là, auto-coopération, merci. Non, c'est vraiment nul. Vraiment, les compétences auto, c'est nul. Vous les oubliez. Voilà. Alors, il y a des coffres ici. Un. Claire. Okay. Je crois que si je me trompe pas, pour aller plus vite, je peux faire ça. Yes. Je suis directement ici. Et on va par là. Est-ce que j'ai des... Ah oui, j'ai gagné une formule de soins, si je me souviens. Ok, donc je peux forger plein de trucs, mais j'ai pas les ingrédients pour l'instant. Méga potion. Ah, ça, je peux le forger, par contre. Ouais, non. Alors... les ennemis. Hein. Ah non, eux je les aime pas par contre. Eux ils sont chiants. Eux ils sont vraiment chiants. Vous avez pas idée. Surtout au début. Ouf. Vous avez pas idée à quel point ils sont chiants au niveau 1 ces mecs. Bref, Belle n'est pas là, elle est partie, cette console. Merde, il y avait un coffre. Il était pas là tout à l'heure. Oh, la caméra. J'aime bien comment il te donne le plan après que t'aies fait tout le bordel. Bon, pareil, retourner sur Atlas, on va se téléporter. Là, ici. Et on va affronter un boss. Ça c'est chiant, ma foi. Je crois que je couperai toutes mes morts sur les précédent boss. Je vous préviens, vous allez le regretter. Ouais. Belle, où es-tu? La bête, au secours, dans la salle de bal. Je pense que si j'ai des morts contre un boss, je vous montrerai juste un ou deux tentatives et je couperai le reste, tout soit. De perdre de la vie maintenant. Belle. Je vais bien. Ok. Ce boss est assez chaud. On va faire gaffe. Surtout, en fait, c'est un des rares boss qui est en plusieurs formes. Donc, on va... Ouais. Je crois que c'est le seul boss d'un Disney qui est en plusieurs formes. Donc là, on va se mettre là pour esquiver parce qu'il va nous lancer des rafales. Là, comme ça. Maintenant, voilà. Maintenant, on va aller chercher ça. Hop, hop, hop. Hop.
gaffe. La première fois, mais pas trop dur, c'est la deuxième qui me fait plus peur. Là, il va aller dans le verre là-bas. Ça, ça j'ai la fusion pour la deuxième forme. Après, on attend qu'il ait fini son feu. Saute, on va essayer ça, parce que ça, ça nous one shot, hein, ça nous chope. Je vais utiliser la coop, non, je vais utiliser la coop pour la deuxième fois. Ouf, ça c'est pas bon. Tu peux me soigner moi, plutôt. Foiré. Putain, bête. Ah. Des fois, vos alliés, vous êtes vraiment pas hein, dans ce jeu. Hein. C'est plus des poulets qu'autre chose. Je vais me soigner parce que si je me prends encore un coup. Ok, là, il va aller. Je pars dans ce lampadaire. Ok, pourquoi? J'ai pas compris là. J'ai pas compris pourquoi il est sorti direct du lustre. Ça m'arrange. C'est un boss un peu chiant, hein. Donc, on met en arrêt. Allez, crève. Oh, l'enfoiré. Bon. Dommage. J'ai pas compris pourquoi il est sorti direct du machin tout à l'heure. Oh, l'enfoiré. Pourquoi en attendant la visibilité? Pourquoi? Ah oui, merde, c'est rond. Putain, qu'il est chiant. Allez. Ah, qu'il est relou. Dire qu'il a une deuxième forme. Un truc qui est chiant, si vous perdez contre la deuxième forme pour refaire la première forme. Si je perds contre la deuxième forme, je passerai le combat contre la première forme parce que, comme vous voyez, il est assez long et chiant. Ok, ce truc me fait un peu penser à un Behemoth. C'était de moi. Alors. Ah, on fait quelques dégâts comme ça. Ah, c'est bon. Oula. Oh, putain. Ah, il est chaud ce boss. Ouais. Ouais, non. Bon, je reviens après la première forme. Ah putain, ce boss est vraiment chaud au niveau, hein. Franchement. Hein. What? Hop.
Bon, j'en ai marre, je vais utiliser Mickey parce que sinon on va pas y arriver. Ah, j'aime vraiment pas ce boss au niveau 1. Ah, mais vraiment, les premiers boss au niveau 1 sont horribles. C'est comme ça. Oh non! Ah, il manquait vraiment plus que ça. Il manquait vraiment plus que ça. Ah, mais la fusion sans cœur, c'est votre pire ennemi. Voilà. Voilà. Là, c'est ce qui est chiant en fait, c'est que j'ai plus rien pour me soigner. Ah bah là, tout ce que je peux faire, c'est courir. Ce que je peux faire, c'est courir et attendre que la fusion s'arrête. Sinon, quand vous êtes en 5 heures contre un boss, c'est généralement la seule chose que vous pouvez faire. En plus, la 100 coeur réduit votre défense à 0. C'est assez génial. Meilleure fusion au monde. Bon. On va essayer d'en chier. Vraiment chaud ce combat. J'ai vraiment pas de bol là, il a fait ça pile au mauvais moment quoi. Pile au moment où il fallait pas. Vous pouvez pas choisir un pire moment pour faire ça. Oh purée, j'ai vraiment pas eu de bol là, s'il avait pas fait ça. Ouais, sinon on va pas s'en sortir. C'est un boss de merde au niveau 1, franchement. Franchement, au niveau 1, c'est un des pires boss. Je sers à rien. Allez, tue-moi. Tue-moi, Mickey, voilà. Ah putain, j'ai pas mes MP régénérés. Avant, c'est la bataille. Elle peut pas faire la réaction. C'est pas grave. Allez, crève. Voilà. Putain. Ah, mais les premiers boss sont horribles dans ce. En niveau 1. Celui-là, c'est un des pires. Honnêtement, celui-là, c'est un des pires boss du jeu au niveau 1. Parce qu'on est tellement limité en termes de compétences et tout ça que... voilà. On a réussi! Je n'en suis pas si sûr. Oula, petit peu graphique. Xaldin! À bientôt. Oh. Que veut-il à la fin? Il doit faire partie de l'organisation. Tu as entendu parler des Simili?
Quand une personne au cœur généreux est transformée en sans-cœur... Je couperai les essais au montage, parce que franchement... Et l'organisation 13 manipule tous les simili. C'est vrai. Elle voulait te transformer en sans-cœur pour créer un simili aussi fort que toi qu'elle pourrait contrôler. Vous allez bien ? Belle. Belle. Je regrette, je n'étais plus moi-même. J'espère que je ne t'ai pas fait de mal. Pardonne-moi. Je sais que tu n'étais plus toi-même. Tu n'as pas à t'excuser. Mais j'avais espéré que tu aurais un peu changé. J'aimerais que tu aies confiance en moi. Oh, j'ai bien peur que le temps nous manque. Qu'est-ce que tu dis ? Vous vous souvenez de la rose ? Dans la chambre de la bête ? Précisément. Voyez-vous, si le maître apprend à aimer et à être aimé en retour avant que le dernier pétale ne tombe, le charme sera rompu. C'est vrai ? Vous croyez qu'il va réussir ? Oui, nous le croyons. Oh, je pense que vous avez raison. Espérons-le. Bon, bref, on va juste ouvrir un nouveau passage et c'est bon. Donc, élément de soin, donc on apprend la magie soin. Magie qui pourra être utile. Ah non, mais je couperai vraiment tous les essais au montage parce que là, ça va faire une longue vidéo si je laisse tous les fails. Je mettrai juste une tentative de chacun des deux boss, et puis voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc je vous dis à la prochaine, salut !